Welcome, everybody. Good evening, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to not only to introduce our very distinguished speaker, but also to launch this series of lectures on Abrahamic religions, which had been sponsored by the president of the Central European University, and which is carried out by the Center for Religious Studies. I can see that the logo of the Institut Français appears, but ours doesn't. Why that must be the case is a complete mystery to me, but this is something we'll deal with later, I should hope, and effectively. I shan't say very much. The question of Abrahamism, as you probably all appreciate, is one which is more or less perennial. Those of you who have looked at the, those of you who may have looked at the poster will have seen some delectables of classical European art depicting Abraham in a variety of situations, which would be known to all of you. The Abrahamic theme is, of course, one which is of particular pertinence today. Pertinence in the sense of being, of making the rounds. It's a theme of religious ireneticism, a theme of dialogue between religions. On these matters, Professor Sharfi has clear opinions, and I shan't anticipate what he might wish to say about this. Professor Sharfi, it is a very special pleasure to introduce Professor Sharfi. On the one hand, there is a personal aspect to this, because Professor Sharfi I consider to be a good friend of mine, but there is something far more important for this particular setting. It has often been claimed that Arab scholarship on matters regarding religion, particularly the Muslim religion, tend to be reticent, apologetic, and not entirely open to scientific methods, particularly historical studies of texts, traditions, and so on and so forth. To a certain extent, this is true, and there are few paradigms that could help, most particularly as Western studies of the Muslim religion and of its traditions are generally marked by quite a number of methodological weaknesses arising from the isolation of Islamic studies and Oriental studies more generally. Professor Sharfi is actually the antidote to both, not only in his own work. And I would mention, first of all, a book, a very large book, which has not been translated into languages. It's written in Arabic, which has not been translated into Western languages. To my mind, it is really the principal account of Muslim polemics against Christianity and Muslim studies, classical Muslim studies of Christianity. So his work, including this, but I can mention quite a number of others, including one published by the CEU University Press, Islam and Modernity. He has actually founded, grounded, and led in the University of Tunis and of Manuba, universities of Tunis and Manuba, over the last 25 or 30 years, a group of extraordinary researchers who have applied historical methods to the study of Muslim traditions and Muslim texts in a manner which is neither apologetic nor reticent, nor is it confined, as many European studies are, to artisanal work on philology, on the edition of texts, on the transmission of texts, and so forth. These are studies of Muslim traditions in an historical spirit, and in a spirit informed by modern social sciences and humanities, which to my mind is exemplary.
And it is on this score that I really do appreciate Professor Sharfi's work and his contribution to the study of Islam, but also to the study of other religions, both in the Arab world and elsewhere. And it is really on this account that we thought it would be most fitting that he should speak tonight on an Abrahamic theme of his choice, and he has chosen a particular theme, which is one of a fairly comprehensive nature. I have had the advantage of actually reading the text before you hear it, and I can tell you that I think we are going to have a contribution to the theme, which is, in many ways, foundational. Now, before I ask Professor Sharfi to take the floor, I would tell those few of you who have no French, that Professor Sharfi will speak in French, and we have a simultaneous translation facility, grace of the Institut Français of Budapest. Professor Sharfi. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je dois tout d'abord remercier l'Université de l'Europe centrale et particulièrement le département d'études religieuses et encore plus particulièrement mon ami Aziz Lahme de m'avoir invité à donner cette conférence aujourd'hui sur l'abrahamisme entre mythe courant et enjeu actuel. Peut-être dois-je commencer mon exposé par exposer très brièvement ma démarche, aussi bien dans cette conférence que dans mes travaux antérieurs. Le professeur Arme a indiqué que j'ai eu avec d'autres collègues de l'université tunisienne l'honneur de promouvoir des études religieuses dans le cadre des sciences humaines et sociales. Mais concernant tout particulièrement les études sur Abraham, elles s'inscrivent dans un contexte comparatif. C'est que j'ai toujours estimé qu'on ne peut pas comprendre la religion dans laquelle on est né ou qui est présente dans le milieu où on est né sans comprendre également les autres religions qui lui sont apparentées. Donc en particulier le judaïsme et le christianisme, puisque l'islam est une religion qui s'inscrit dans ces trois religions monothéistes, mais également le chercheur doit mener sa recherche en fonction de la pensée religieuse en général, pas uniquement dans le cadre de la pensée monothéiste. C'est que l'ouverture sur le monde religieux est de nature à faciliter la compréhension de chaque tradition, pour mieux la situer dans le cadre de ce phénomène anthropologique qu'est le phénomène religieux. C'est pour cette raison que j'ai toujours prôné ce que j'ai appelé une recherche solidaire, c'est-à-dire une recherche qui comprend des chercheurs appartenant à différentes traditions, mais qui s'intéressent à des thèmes qui sont communs à toutes ces traditions. C'est que, effectivement, chaque religion
a sa spécificité. Mais au-delà des spécificités religieuses, il y a des interférences. Il y a beaucoup de choses qui sont communes à cette tradition qui sont encore vivantes. Si on les aborde d'un point de vue théologique, on arrive toujours à des impasses. Il ne peut pas y avoir de compréhension, sauf tout à fait superficielle, lorsqu'il s'agit d'aborder ces questions d'un point de vue théologique. Mais d'un point de vue de la recherche scientifique, on peut faire des avancées. En tout cas, on peut arriver à une meilleure intelligibilité du phénomène religieux. Et c'est dans ce cadre-là donc que s'inscrit mon exposé d'aujourd'hui. Alors, concernant l'abrahamisme, je dirais tout d'abord que Abraham est une figure qui est commune à la Bible et au Coran. Il est évoqué dans différents livres de la Genèse et dans différentes sourates du Coran. Et les juifs, les chrétiens et les musulmans se réclament, à divers titres bien sûr, de cette figure abrahamique. L'abrahamisme serait donc le dénominateur commun aux trois religions. Et puisqu'il s'agit d'un dénominateur commun, il y a eu plusieurs tentatives de rapprochement et de dialogue entre les adeptes des trois religions qui se basent sur cet héritage commun. Pourquoi s'intéresser à cet héritage commun? C'est dans la perspective, dans l'objectif de relativiser les divergences. C'est l'œuvre de Louis Massignon, en particulier en France, qui a inauguré ce mouvement chez les chrétiens, un mouvement qui a été poursuivi par le père libanais Joachim Moubarak. Il y a même une association qui s'appelle Fraternité d'Abraham, qui existe depuis 1967 et qui publie sous ce nom de Fraternité d'Abraham une revue trimestrielle qui continue à paraître. Et cette revue vise à réunir les fils d'Abraham, descendants par tradition d'Ismaël, donc les musulmans, par tradition d'Isaac, donc les juifs, et par filiation spirituelle, donc les chrétiens. Je n'ai pas besoin, je crois, de rappeler ici les épisodes de la vie d'Abraham relatés par la Bible et le Coran, tant qu'ils sont connus de tout le monde. Mais il faudrait noter que le récit de la Genèse, du premier livre de la Torah, est beaucoup plus développé et comporte plus de détails que les informations qui sont contenues dans le Coran et qui sont éparpillées dans différentes sourates. Quelques traits sont communs aux deux livres sacrés, notamment l'alliance d'Abraham avec Dieu, l'ordre divin qui était reçu en songe de sacrifier son fils, également qu'il est le père d'Ismaël et d'Isaac, et que ces deux fils, il les a eus à un âge avancé. Le même thème existe dans la Bible et dans le Coran. Sa relation avec son neveu Lot, etc. Il y a beaucoup de traits qui sont communs à la Bible et au Coran.
mais d'autres traits sont particuliers à l'un ou à l'autre livre. Par exemple, le changement de nom d'Abraham à Abraham est particulier à la Torah. Le séjour en Égypte, les promesses à ses fils n'existent pas dans le Coran. Ils sont particuliers à la Bible. Il y a quelques traits qui sont particuliers au Coran. L'épreuve du feu, la construction de la Kaaba, qui n'existe pas dans la Bible et qui existe dans le Coran. Alors, compte tenu de ces données, les historiens sont aujourd'hui unanimes pour considérer que ces récits sont des constructions théologiques qui ne correspondent à aucune réalité historique, dans le sens où la science moderne comprend l'histoire. De nombreuses études à caractère théologique et historique ont été consacrées ces dernières années à Abraham. Citons en particulier le livre bien fouillé d'Abraham Segal, paru en 1995, Des indications précieuses à propos d'Abraham figurent également dans l'ouvrage désormais classique de l'archéologue Israël Finkelstein et de l'historien et archéologue Neil Asher Silberman. Ce livre s'intitule « La Bible dévoilée » qui a été publié en français en 2002. Les travaux des théologiens protestants tous les deux d'ailleurs suisses, Albert de Pury et Thomas Romer. Thomas Romer est d'origine allemande, mais il a la nationalité suisse et il enseigne au Collège de France à Paris. Les travaux de ces deux théologiens en particulier méritent une mention spéciale et m'ont servi à mieux situer l'abrahamisme. Je citerai enfin l'horizon ouvert par le livre de l'universitaire saoudien Falah Shabib Al-Ajami. C'est un universitaire qui est professeur à l'université Ibn Saoud à Riyad, mais qui a fait des études en Allemagne. Et il a publié je crois en 2006, c'est bien ça, il a publié un ouvrage en arabe. Malheureusement, à ma connaissance, il n'a pas été traduit dans les langues étrangères. Et le titre de cet ouvrage, Suhuf Ibrahim, les feuillets d'Abraham, est une référence à un verset du Coran. J'ai cité quelques-uns des travaux récents qui concernent Abraham pour indiquer que mais la bibliographie est immense concernant Abraham. Mais en général, elle est répétitive, elle n'est pas très originale. C'est pour cela que je n'ai pas voulu citer beaucoup d'ouvrages dans ce sens-là. Alors, après Adam et Noé, Abraham est le patriarche le plus ancien dans la Bible. La science historique et archéologique moderne, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, pendant tout le 20e siècle et même au début du 20e, cette science historique et archéologique a longtemps recherché les vestiges qui pourraient corroborer la version biblique. Concernant Abraham, censé avoir vécu au 19e et 18e siècle avant Jésus-Christ et être venu d'Ur en Mésopotamie, venu de Mésopotamie en Palestine, ces historiens et ces archéologues, on peut être sûr aujourd'hui qu'ils n'ont strictement rien trouvé. Il n'y a pas de vestige des récits d'Abraham concernant
donc ce passage de Mésopotamie en Palestine, ou même des vestiges de son séjour en Palestine. Donc, les historiens sont maintenant unanimes à considérer les récits qui se rapportent à Abraham comme tardifs et datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. La différence, comme vous voyez, est très grande entre 19e, 18e siècle et 6e siècle avant Jésus-Christ. En effet, ce n'est qu'avec la confection et la compilation de la Torah à l'époque perse que les différentes traditions relatives aux origines d'Israël ont été juxtaposées les unes aux autres, placées dans un ordre chronologique et enfilées sur une trame narrative. Les exégètes de l'Ancien Testament distingue dans les traditions que contient le Pentateuque, donc les cinq premiers livres de la Torah, distingue trois cycles. Le cycle d'Abraham, le cycle de Jacob et le cycle plus central de Moïse. Il nous faut donc évoquer très brièvement les deux cycles de Jacob et de Moïse afin de bien situer celui qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire le cycle d'Abraham. Alors, commençons par la figure de Jacob, qui est, rappelons-le, le petit-fils d'Abraham. Cette figure correspond le plus aux conditions de l'émergence au XIIe siècle avant Jésus-Christ, au XIIe jusqu'au Xe siècle, de ce que seront les futures tribus d'Israël. Car l'Israël des débuts est une société tribale où la généalogie tient un grand rôle. Or, l'histoire de Jacob, telle qu'elle est dans les livres 25 jusqu'à 35 de la Genèse, cette histoire est un excellent exemple d'une légende généalogique. Le cycle de Jacob trouve son aboutissement lorsque Jacob réussit à imposer la reconnaissance de son clan comme groupe tribal autonome. En tant qu'ancêtre fondateur et investi du nom d'Israël, il parvient à s'établir avec son peuple dans un territoire et il pose ainsi les fondations du futur royaume d'Israël. Ce qu'il faudrait remarquer à ce niveau, c'est que le cycle de Jacob offre une histoire complète des origines d'Israël qui se suffit à elle-même. C'est une histoire qui n'a besoin ni d'un prologue, celui de Noé et d'Abraham, ni d'un épilogue constitué par Moïse. Mais l'Israël qui se définit par son ancêtre Jacob n'est pas encore l'Israël orthodoxe. Yahvé n'y joue pas encore le rôle d'un Dieu exigeant et exclusif. On voit même deux dieux différents être invoqués. Laban, le beau-père de Jacob, lui dit, dans le verset 31-53, que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor protègent le droit entre nous. Donc il y avait deux dieux qui sont reconnus au même titre. On estime que la légende jacobienne trouve son origine dans les élites tribales méfiantes vis-à-vis du pouvoir royal trop puissant. Mais ces élites tribales sont également méfiantes à l'égard des milieux prophétiques dont elles redoutent le caractère parfois fanatique et subversif. Et c'est justement dans ce mouvement prophétique qu'est née la légende mosaïque,
ou le mythe fondateur de Moïse qui revêt un caractère confrérique et antitribal. Malgré quelques ressemblances formelles entre le cycle de Jacob et celui de Moïse, par exemple, les deux doivent prendre la fuite après s'être battus avec un autre homme, les deux vont épouser la fille du chef de tribu et avoir des enfants, les deux vont être attaqués par Dieu, etc. Malgré ces ressemblances formelles, les dangers qui menacent le héros et sa communauté ne sont pas du tout les mêmes dans les deux cycles. Dans le cycle de Jacob, ces dangers concernent la survie du groupe. Dans le cycle de Moïse, le seul danger permanent est le risque d'une révolte du peuple contre Yahvé et son médiateur Moïse. L'histoire de Moïse offre également une histoire complète des origines d'Israël. Donc chacun des deux cycles, celui de Jacob et celui de Moïse, se suffit à lui-même. Leur juxtaposition est intervenue pendant l'exil, grâce à ce que les exégètes de l'Ancien Testament appellent l'auteur sacerdotal, qui a récupéré la tradition de Jacob et l'a intégrée à son prologue cosmique et universaliste. Albert de Puri explique cette juxtaposition en ces termes. En optant vers l'identité jacobienne, Israël aurait suivi le destin de la plupart de ses voisins et n'aurait sans doute pas laissé de traces particulières dans l'histoire des religions. En se ralliant à l'identité mosaïque, Israël aurait pu devenir une communauté de croyants, se constituant par adhésion, une sorte de christianisme ou d'islam avant l'heure. C'est d'ailleurs ce que le judaïsme a failli devenir à l'époque romaine avant les catastrophes de 70 et 135. Toujours est-il qu'Israël, dans la suite de son histoire, et en juxtaposant l'histoire de Jacob à celle de Moïse, en faisant de la première, le prologue de la seconde, a refusé de choisir. Selon la halakha du judaïsme rabbinique, pour être juif, il faut être fils de Jacob et disciple de Moïse. Fin de citation. Le même auteur sacerdotal est le responsable de l'introduction du cycle d'Abraham comme prologue à l'histoire de Moïse pendant les dernières années du règne de Cyrus, vers 535-530 avant Jésus-Christ. Avec cet auteur, nous sommes en présence de la première couche rédactionnelle de la Bible. Et dans cette conception sacerdotale, l'humanité se divise en trois cercles concentriques. Tout d'abord, le cercle extérieur. Il est constitué des descendants de Noé, donc tous les hommes qui vivent sous la charte donnée à cet ancêtre commun, en particulier l'endiguement de la violence et la restitution du sang. Et tous les hommes vénèrent Dieu sous son nom appellatif Elohim. Le deuxième cercle, celui du milieu, comprend tous les descendants d'Abraham, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Ismaël et beaucoup d'autres peuplades d'origine arabe ou édomite. Ce sont là les hommes qui vénèrent Dieu sous le nom d'El Shaddai. Enfin, le cercle le plus étroit, celui du centre, est composé des seuls fils de Jacob Israël. Ils vénèrent Dieu sous le nom de Yahvé et sont les gardiens du temple, la résidence de Dieu parmi les hommes.
dans cette vision d'une humanité en trois cercles. Le fait digne d'attention est qu'il n'y a pas de païen. Tous les hommes sont des vénérateurs du Dieu unique, mais tous ne le vénèrent pas sous le même nom. Et on retrouve là la grande idée de l'Empire perse fondée par Cyrus, selon laquelle le Dieu de l'univers, le Dieu du ciel et de la terre, est un Dieu unique, accessible à tous les hommes, sous des noms différents et au moyen de rites différents. C'est ainsi que le Dieu perse, Ahura Mazda, peut être vénéré par les non-perses sous d'autres noms. Les témoins juifs de ce tournant acceptent donc le défi, mais en inversant la hiérarchie. C'est Yahvé, le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre, qui peut être vénéré sous d'autres noms, Elohim ou El Shaddai. Il y a des différences notables entre cette première couche rédactionnelle, donc la couche de l'auteur sacerdotal, et la couche ultérieure des rédacteurs responsables de la conception et de l'insertion des chapitres 16 et 21 de la Genèse. Alors que selon l'état final du texte biblique, Agar et son fils Ismaël sont expulsés de la famille d'Abraham. Le récit sacerdotal ne sait encore rien de cette expulsion. Pour lui, Ismaël reste présent à Hébron et dans la région à la mort d'Abraham. En effet, ce sont ses deux fils, Ismaël et Isaac, qui se chargent d'ensevelir leur père dans la caverne de Macpéla. C'est ce que dit explicitement le verset de la Genèse 25, 9. Les exégètes modernes sont convaincus de l'embarras et de l'irritation suscitée par le statut du frère aîné accordé à Ismaël et par la perspective œcuménique de l'auteur sacerdotal. Les successeurs de cet auteur ne pouvaient pas revenir sur l'ascendance abrahamique d'Ismaël, ni sur la promesse d'une grande descendance accordée également à Ismaël, tant ces deux données étaient ancrées dans la trame de base. Mais ils pouvaient veiller à ce que le frère aîné s'en aille accomplir ailleurs son destin aux confins les plus reculés du désert. Ainsi, les compilateurs de la seconde génération retrouvent à l'égard d'Ismaël le langage de l'aversion séculaire des sédentaires contre les nomades. Après la célébration par l'auteur sacerdotal de la fraternité et du partage, revient chez ses successeurs l'exclusion. Cette lecture contemporaine de la Bible en général et du mythe fondateur d'Abraham en particulier, basée sur l'analyse historico-critique des textes fondateurs, est de nature manifestement à privilégier la dimension œcuménique de cette figure par rapport à ses dimensions spécifiques et ethnicistes. En fait, elle ne fait que restituer les étapes par lesquelles est passée la rédaction des livres de la Torah, et particulièrement le livre de la Genèse. Il faudrait noter à ce propos que cette lecture ne cherche pas à défendre une conception plutôt qu'une autre. Cependant, elle sape les fondements de la lecture théologique dominante, aussi bien chez les juifs que chez les chrétiens, notamment
la lecture de la tendance fondamentaliste très en vogue dans le monde occidental, et notamment chez les évangélistes. Les historiens n'excluent pas la possibilité que très tôt, bien avant la rédaction des livres de la Torah, des légendes se soient tissées autour d'Abraham et de son tombeau à Hébron. Mais rien au départ ne le rattachait à une tradition spécifiquement israélite ou yaviste. La thèse défendue par Falah Shabib al-Ajami, dans cet ouvrage Souhouf Ibrahim, apporte des éléments intéressants qui corroborent cette dimension universaliste par le rapprochement qu'elle fait entre le brahmanisme et l'abrahamisme, à partir de données linguistiques, anthropologiques et culturelles. L'auteur considère qu'à la différence de l'Abraham, aussi bien biblique que coranique, qui a gardé son caractère humain du début jusqu'à la fin, la personnalité du Brahma hindou a subi une évolution qui en a fait une force créatrice ou une vérité abstraite dans les champs védiques, et un principe cosmique est le plus haut des états de l'existence absolue dans le premier texte de l'Upanishad. L'auteur remarque en outre que le nom de cette personnalité est à l'origine du terme qui désigne la caste des clercs ou des hommes de religion qui se consacrent au service du temple et à la lecture et l'explication des textes védiques. Mais avant de subir cette évolution, ou cette transformation en fait, cette évolution entre Brahma et Abraham, il y a des ressemblances frappantes, quelquefois avec les textes de l'Ancien Testament et les textes coraniques ensemble, d'autres fois avec les textes de l'Ancien Testament uniquement ou avec les textes du Coran seulement. Dans la première catégorie, c'est-à-dire les thèmes qui sont communs à toutes ces traditions, l'auteur relève l'importance du sacrifice dans les traditions védiques et monothéistes. Dans la seconde catégorie, c'est-à-dire les traditions de l'Ancien Testament et des textes védiques, l'Holocauste est présent à de nombreuses reprises dans les textes védiques et ceux de l'Ancien Testament. Et dans la troisième catégorie, c'est-à-dire les textes communs à la tradition coranique et védique, l'épreuve du feu, d'où le héros sort indemne, est commune aux Védas et au Coran, concernant Brahma et Ibrahim. La relation entre les oiseaux et la création est également présente dans les deux traditions védiques et coraniques. L'auteur de cette thèse fait aussi un rapprochement entre Sarasvati, la femme de Brahma, et Sarah, la femme d'Abraham. Dans les deux cas, c'est une belle femme et la source de la fortune du héros. Enfin, il considère que les deux héros se situent dans la tradition védique et dans la tradition biblique à la même période, soit le 18e siècle avant Jésus-Christ, et que cela ne peut pas être le fruit du hasard. C'est par la Perse que le contact entre les deux traditions s'est réalisé. Ainsi, on l'a vu que la notion d'un Dieu unique qui peut être vénéré sous différents noms. Je citerai encore pour mémoire la thèse de Kamel Salibi, historien de l'Université américaine de Beyrouth, mort il y a 2 ans. Cette thèse a fait grand bruit en son temps, mais n'a pas recueilli l'adhésion de la communauté scientifique. Il a publié notamment en 1985 « The Bible Came from Arabia » et en 1988 « Secrets of the Bible People »
Et dans ce dernier ouvrage, il soutient qu'il n'existe pas un seul Abraham, mais 5 Abraham qui ont été mêlés en un seul personnage dans le livre de la Genèse. Je me suis arrêté à ces quelques-unes des nouvelles approches de la figure d'Abraham, non pour elle-même, mais parce qu'elle le recèle au-delà de la préoccupation proprement scientifique, des visions différentes de l'abrahamisme. En effet, celui-ci, qui est le rattachement à un ancêtre, est un phénomène récurrent dans l'histoire religieuse des peuples. Dans le passé, ce rattachement se voulait exclusif. Ceci est clair dans les visions juives puis chrétiennes de l'alliance entre Dieu d'une part et Abraham d'autre part, qui transmet cette alliance à sa postérité à travers Isaac et en excluant Ismaël, alors même que l'alliance dont la circoncision est le signe concret eut lieu lorsqu'Abraham n'avait qu'un seul fils, Ismaël. Et ce rattachement existe également dans la tradition islamique, puisque Abraham est considéré comme le père des musulmans, de tous les musulmans, de tous ceux qui peuvent être appelés musulmans, tout simplement parce qu'ils sont soumis à Dieu. Pas dans le sens de adeptes de la religion apportée par le prophète Mohammed. Si on voit de près le Coran, on remarque que les textes coraniques ont voulu récupérer Abraham en incluant à la fois l'héritage d'Ismaël et celui d'Isaac. Et la tradition musulmane est restée fidèle à ses débuts à cette conception coranique. C'est ainsi que jusqu'à la fin du 3e, 9e siècle, elle a admis que le fils d'Abraham, que le fils qu'Abraham a reçu l'ordre divin d'immoler est Isaac. En témoigne particulièrement l'œuvre de l'exégète et historien Tabari, mort en 310 de l'Égypte, en 923 de l'ère courante, basée essentiellement sur la collecte des divers récits des premières générations musulmanes. Mais on sait que ces récits, en fait, elles reprennent pour l'essentiel les récits qui étaient colportés par la tradition parabiblique qui existait en Arabie et dans les pays du Proche-Orient. Donc ce n'est pas la version biblique elle-même, mais c'est la littérature parabiblique qui est responsable de la majorité de ces récits. Mais la tradition islamique s'est orientée depuis le 4e, 10e siècle vers une vision exclusiviste, en soutenant que c'était Ismaël et non Ishaq, l'ancêtre supposé des Juifs, qui devait être immolé, alors qu'elle admettait que c'était Ishaq au début. Pourquoi ? Parce que c'est Ismaël qui est censé être l'ancêtre des Arabes. Et parce que c'est Ismaël qui était décrit dans le Coran comme étant aux côtés de son père Abraham dans la construction ou la reconstruction de la Kaaba à la Mecque. Les utilisations de la figure d'Abraham n'ont cessé par la suite de s'amplifier dans la culture islamique traditionnelle. Elles sont nombreuses et variées, aussi bien dans la tradition sunnite que dans la tradition chiite. Et l'essentiel de ces traditions a été bien étudié dans la thèse de Touhem et Abdouli, l'actuel secrétaire d'État tunisien aux affaires étrangères, mais ça c'est une carrière politique qui n'a rien à voir avec son étude scientifique. Il n'est pas dans notre intention de suivre ces traditions dans la mesure où elles appartiennent en fait au passé, même si certaines d'entre elles ont encore des prolongements dans la conscience collective et que les ouvrages qui les contiennent
sont souvent réimprimées et jouissent d'une certaine crédibilité chez la masse des lecteurs populaires, à l'instar de toutes les biographies, entre guillemets, les biographies des prophètes. Aujourd'hui, il s'agit de prendre conscience des enjeux culturels et politiques qui se cachent derrière les différents abrahamismes, qu'ils soient monothéistes ou hindouistes. Les interférences qui existent entre ces traditions indiquent qu'il ne peut y avoir d'identité pure et innocente. Le phénomène de l'acculturation n'est pas un phénomène récent ou nouveau. Bien que cette acculturation en œuvre dans toute l'histoire de l'humanité soit niée en général par ceux que les sociologues appellent les manipulateurs du sacré. Les théologiens ne font en règle générale que théoriser des sentiments d'appartenance à des groupes larges ou à des groupes restreints qui ont des intérêts communs à défendre au-devant d'autres groupes aux intérêts contraires ou concurrents. Ils captent en quelque sorte la mentalité générale et la théorisent dans les théories théologiques. C'est ainsi qu'il faudrait comprendre l'alliance entre Dieu et Abraham, entre Dieu d'une part et Abraham et sa progéniture d'autre part. Ceux qui n'appartiennent pas à cette alliance sont exclus de l'histoire du salut dans les traditions monothéistes, pas, on l'a vu, chez l'auteur sacerdotal. Ils sont exclus de l'histoire du salut dans la perspective des systèmes religieux traditionnels. Ils sont en quelque sorte disqualifiés pour l'éternité, non pas à cause d'un quelconque méfait qu'ils auraient accompli, mais parce qu'ils n'ont pas eu la chance de descendre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'ils sont tout simplement mal nés. L'exclusion prend de la sorte des habits religieux qui préfigurent l'exclusion menée à l'époque moderne par les différents nationalismes, ou l'exclusion qui a pour fondement la couleur de la peau, l'appartenance à une classe sociale, à un genre particulier, à une ethnie ou à n'importe quel autre groupe social. Et il n'est pas rare, de nos jours, que viennent se greffer sur l'exclusion sur une base religieuse d'autres types d'exclusion qui ont toutes pour objectif de raffermir les liens sociaux autour d'une identité collective considérée comme menacée par une mondialisation tous azimuts. Et de fait, on pouvait s'attendre à l'heure de la liberté de circulation des capitaux, de la liberté des échanges commerciaux, des marchandises de tout ordre, de la standardisation des modes de vie dans l'habillement, la cuisine, le logement, les loisirs, etc. Et surtout à l'heure de la circulation des informations, à un rythme et à une vitesse inégalée, on pouvait s'attendre à ce que les particularismes soient appelés à s'estomper progressivement. Or, il n'en est manifestement rien. Pourquoi ? En partie parce que la mondialisation n'a jamais inscrit dans ses objectifs déclarés ou implicites la libre circulation des personnes, à l'instar de la libre circulation des biens. La délocalisation des usines de production est venue supplier le coût élevé de la main-d'œuvre ou son manque dans les pays du Nord. Les gens vivent donc de plus en plus cloisonnés à l'intérieur de frontières géopolitiques étanches, surtout s'ils appartiennent aux pays pauvres.
Ils nourrissent alors des complexes d'infériorité bien réels, compensés par un complexe de supériorité fantasmé que fournit l'identité collective sur une base religieuse ou autre. Mais ces particularismes ne sont pas estompés également parce que les gens ont besoin de repères plus ou moins fixes et rapprochés lorsque tout bouge alentour à une vitesse vertigineuse par rapport aux habitudes ancestrales. Mais plus fondamentalement, la mondialisation exaspère les particularismes au lieu de les atténuer ou les détruire complètement parce qu'elle creuse davantage le fossé entre les riches et les pauvres, les nantis et les défavorisés par l'histoire ou par la géographie. Ceux qui tirent les ficelles de la mondialisation sous sa forme actuelle, les grandes puissances et les multinationales, n'ont-ils pas intérêt objectivement à affaiblir les États constitués et en favorisant les divisions en leur sein et en encourageant les identités exclusivistes, car il est notoirement connu que ces identités fictives, dans la majorité des cas, et en tout cas fermées, sont plus faciles à manipuler et à exploiter. Et évidemment, les plus forts du moment ne s'en privent point, quitte à disloquer des liens qui paraissaient jusqu'alors indissociables. Il peut sembler à première vue que ces développements nous éloignent de l'abrahamisme. Nous sommes au contraire au cœur de notre sujet, dans la mesure où les nouvelles approches des textes religieux qui dévoilent le caractère mythique des récits qui concernent Abraham et les interférences qui existent entre ces textes dévoilent en même temps les enjeux actuels du rattachement à cette figure mythique dans un contexte historique dont la principale marque est incontestablement la complexité comparée au contexte du passé, même assez proche. Cette complexité, consécutive au progrès de la science et de la technologie moderne, peut être naturellement et immédiatement perçue dans les différents aspects matériels de la vie. Tout le monde en convient d'ailleurs, que ce soit pour la dénoncer ou s'en réjouir. Mais cette complexité a des retombées sur la vie affective et mentale qui sont moins reconnues ou qui sont même carrément niées. Parmi ces retombées inéluctables figure en bonne place l'appartenance à une communauté religieuse déterminée, perçue il n'y a pas si longtemps comme étant la privilégiée de Dieu ou des dieux, celle qui est destinée plus que les autres au salut, bref, la meilleure. L'élargissement des horizons mentaux de nos contemporains, grâce au développement des médias et au flux incessant des informations, met à mal la conception traditionnelle de l'image idyllique qu'on avait de soi, car ce flux incessant relativise les appartenances en les exposant les unes à côté des autres dans leur diversité. Une autre donnée mérite également d'être signalée, qui montre clairement la différence entre les conceptions anciennes de la condition humaine et la conception moderne de cette conception, de cette condition. C'est l'émergence à notre époque de valeurs universelles qu'on résume couramment sous le concept de droit humain. Certes, ces droits ne sont pas radicalement nouveaux,
la liberté, la justice, l'égalité, pour ne citer que les plus emblématiques de ces valeurs, n'étaient pas complètement absentes ou ignorées dans le passé des civilisations traditionnelles. Cependant, elles ont acquis dans la conscience de nos contemporains une valeur qui ne peut guère être comparée à celle qu'elle occupait auparavant. Et surtout, ces valeurs, leur place dans la conscience collective, transcendent les clivages ethniques et religieux qui sont obligés d'en tenir compte et de faire en sorte qu'ils ne les heurtent pas de front, car il y va de leur crédibilité et ils s'ingénient alors à les détourner au prix de mille et une contorsions. L'abrahamisme fait indubitablement partie de l'effort de prendre en considération les valeurs d'égalité, de fraternité et de tolérance, quels que soient par ailleurs les reproches qu'on est en droit d'adresser au concept de tolérance, mais ça c'est un autre sujet. Il est incontestable que la fin des inimitiés et des conflits qui ont longtemps divisé les monothéistes, qui se réclament tous d'Abraham, est un objectif des plus louables, au même titre que la recherche de la fin des conflits qui ont divisé dans le passé chrétiens orthodoxes, chrétiens catholiques et chrétiens protestants, et qui continue même en Irlande du Nord, par exemple, il n'y a pas longtemps, ces conflits étaient bien présents, ou les conflits qui divisent encore musulmans chiites et musulmans sunnites. Il n'en demeure pas moins que l'idée même d'un front uni des monothéistes n'a plus de sens de nos jours. Que les monothéistes ne fassent plus la guerre entre eux, que cette guerre soit symbolique ou par les armes, est bien sûr une bonne chose. Mais il ne faudrait pas pour autant que les monothéistes soient en conflit avec les autres. Les règles du vivre ensemble des temps modernes ne sont ni celles de l'Antiquité ni celles du Moyen-Âge. Les avancées faites par les sciences de l'homme et de la société, notamment au cours des deux derniers siècles, ont réussi à mettre à nu les facteurs qui déterminent les actes bellicistes des individus et des groupes, où les motifs religieux jouent le rôle de justification plutôt qu'ils n'en sont l'origine. Et là, c'est une découverte des plus fondamentales et un des acquis fondamentaux de la science et de la connaissance moderne. Et pourtant, ces transformations radicales ne sont pas suffisamment intériorisées, probablement à cause de la lenteur des changements des mentalités, comparée à la vitesse des changements des structures économiques, sociales et politiques, aussi bien à l'échelon local qu'international. La meilleure connaissance qui est la nôtre de la genèse des identités exclusivistes et leur déconstruction sont de nature à relativiser ces constructions idéologiques et théologiques. Certes, notre passé nous habite à notre insu. Il ne s'agit donc ni de l'effacer, ni de l'idéaliser. Mais il s'agit d'échapper autant que faire se peut aux préjugés sur lesquels se sont fondés nos systèmes de référence traditionnels. Bien plus que cela, la libéralisation vis-à-vis des carcans figés du passé est la condition de la construction solidaire d'un avenir meilleur tourné résolument vers le futur. En somme, l'abrahamisme, sous toutes ses formes, appartient cognitivement au passé. Notre époque a besoin non pas d'une appartenance religieuse sociologique,
mais d'une religiosité épurée, apaisée, ouverte et en un mot humaniste. Osons espérer que nous allons dans ce sens. Je vous remercie.